Je voudrais, madame, que vous m'expliquiez en quoi, quand Griezmann veut rendre hommage à des joueurs exceptionnels et qu'il se barbouille en noir, en quoi ça porte atteinte à la dignité d'une personne qui est noire ? Nous avons cette vision assez simpliste du racisme qui se déploierait de manière seulement négative. Un homme à la peau blanche qui veut avoir la peau d'un homme noir. Dans une France où on nous parle de l'aveuglement à la race, c'est-à-dire qu'on ne ferait pas la différence entre les noirs, les blancs, et ça ne se verrait pas. Moi, je sais que je suis la seule femme noire sur le plateau. J'ai remarqué, peut-être que les autres qui ne sont pas noirs sur ce plateau n'ont pas remarqué que j'étais noire, mais ça les regarde. Je crois que vous voyez du racisme partout. Je suis une femme d'origine maghrébine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en réalité, les seules caricatures qui vaillent, c'est quand elles concernent l'homme blanc quinquagénaire. Et là, c'est toujours acceptable. Et moi, ça me dérange. Aujourd'hui, il y a le communautarisme islamiste qui est très puissant dans certains territoires. Il y a même un suprémacisme musulman qui, en fin de chaîne, effectivement, constitue le terreau de gens qui pètent un câble et qui deviennent des terroristes. Si, par exemple, j'enlève mon foulard, là, le terroriste va disparaître. C'est pas ce que j'ai dit. Non. J'ai dit simplement qu'il y a un communautarisme islamiste qui est un suprémacisme musulman, exactement comme il existe un suprémacisme blanc, et il faut lutter contre ce suprémacisme. Si vous considérez que vous devez combattre uniquement l'islam sans parler de la race, c'est très bien d'attaquer l'islam, moi je n'ai rien contre. Mais la congoïdisation de la France, c'est bien plus grave que l'islamisation. Bien plus grave. Les gens qui luttent contre l'immigration mais qui ne parlent que de l'islam et jamais de la race, sont soit des charlatans, soit des gogoïs. La question raciale est aujourd'hui centrale. Il faut parler de la race.